Alors le paysage vitrine, c'est une vue de la plage de Grand'Anse, vue du Mont de Champagne, qui par le calme de son eau et la transparence de son eau amène justement à venir passer un moment au calme, quoi, et tranquille et serein. Alors mon paysage loisir, lui, se trouve sur le Cap Salomon. Là, on passe à l'opposé, que partie droite de la baie de Grand'Anse, un rocher, un promontoire qui me sert d'observatoire et face auquel, lorsque je me retrouve dessus, en fait, je me retrouve face à la nature. Donc là, c'est plus un appel à la contemplation, voire même la méditation. Paysage en mouvement, toujours direction Cap Salomon, toujours la partie droite de la baie de Grand'Anse. Un nouveau sentier pédestre qui a été redécouvert et un sentier sous-marin qui a été ouvert. Donc c'est un endroit qui est voué à la pédagogie et aux loisirs. Les habitants se réapproprient un endroit qui était oublié, voire même méconnu. Paysage dégradé, c'est ce que la mer nous rejette. Et entre autres, en l'occurrence, sur le fameux sentier sous-marin ou même sentier pédestre, où on retrouve, à chaque fois qu'on fait des campagnes de nettoyage, tout ce que l'humain a jeté un jour à l'eau nous revient quelques temps plus tard, quoi. Donc, on se réapproprie l'endroit pour essayer de mieux le protéger.